Bonjour à tous, bienvenue à votre chapelle. Merci tellement d'être là. On va passer un temps juste formidable dans la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, puis à laisser Dieu vous parler, à laisser Dieu vous agir en vous au travers de tout ce qu'on va parler, au travers de tous les segments et au travers du message qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, je vous invite à prier avec moi. Saint-Esprit, on t'invite. On t'invite, Seigneur, dans ce temps, dans cette chapelle, Père éternel. Sois le centre de nos vies. Sois le centre, Seigneur. On veut t'honorer, t'adorer, te glorifier, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Père éternel. Et Seigneur, je te prie de toucher chaque personne qui va écouter cette réunion, Père éternel. Viens toucher, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Et je te demande de venir les combler, Père éternel. De venir déposer une touche de ta présence, une touche de ta paix, une touche, Seigneur, de ta joie, de ta miséricorde, de ta grâce, Seigneur. Alors, je te prie de bénir chaque personne, de bénir cette réunion, Père éternel. Et on t'aime, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, restez là et bonne réunion. Salut tout le monde. Bienvenue au segment de Wise Talk. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Woody. Salut, guys. Et on a Jérémia. Salut. Jérémia, est-ce que tu pourrais juste nous dire, c'est quoi ton implication avec l'IBQ? Ah bon, ben je fais partie, je suis un étudiant en fait à l'IBQ en partenariat avec l'Université de Laval. Puis en fait, je suis en train de faire mon bac afin d'avoir un bac, c'est ça. Et Outi, est-ce qu'il pourrait nous dire un peu, c'est quoi tes implications? Oui, bien sûr. Comme dans le fond, moi je prends des cours comme à l'IBQ. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je prends des cours à l'IBQ. Je suis comme membre du staff du réseau. C'est bientôt comme 2 ans aussi. Donc, je suis quand même très présent à l'IBQ présentement. Wow. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir une discussion sur la motivation. Donc, juste pour savoir, à quoi sert la motivation? C'est une bonne question. Ouais. Je pense que la motivation, c'est très important et ça nous sert vraiment comme à nous pousser, comme tu vois, vers le but qu'on s'est donné. Je pense que comme si je pourrais un peu faire une petite comparaison vite, je dirais comme être motivé, c'est comme avoir comme de l'essence dans son, tu vois, comme dans son véhicule, tu vois, avoir du gaz et tout. Ça nous permet de vraiment, comme tu vois, comme pousser et continuer à avancer, peu importe ce soit comme les défis qui se sont, peu importe les défis que comme on peut avoir devant nous. Donc, c'est comme vraiment comme un gaz. En tout cas. Ça fait vraiment du sens. Oui, exactement. Un gaz, c'est comme ça. Ça fait pour débuter des affaires, mais il faut se rendre compte que, ça commence quelque chose. C'est afin de commencer quelque chose que, afin d'avoir un but, c'est comme juste avoir un but simplement, c'est motivant, mais la question, c'est de persévérer continuellement. C'est ça. Donc, est-ce que ça serait un peu comme l'énergie qui nous permet d'avancer? Pour moi, c'est un oui. Exactement, tu vois, comme tu vois. Et c'est une bonne énergie aussi, tu vois. C'est pas une mauvaise énergie comme négative, mais c'est une bonne énergie et tout, comme tu vois, qui nous pousse à avancer. Donc, je peux dire que oui. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une motivation qui est malsaine ou est-ce que c'est toujours une bonne chose? Je pense que c'est possible d'avoir, quand je pense que c'est possible parce que comme si ton but il est pas correct et tout, tu vois, comme si ton but comme tout est pas correct, je pense que aussi tu vois ta motivation aussi comme tout, tu vois, dans le sens sera aussi pas correct aussi parce que je pense que comme tu vois il faut vraiment voir comme à ton but fait que si tu vois que ton but, il est bien, OK, comme il est correct et comme il est sage et tout, comme il est sensible, sensé, on va dire, je pense que comme, ton énergie aussi sera aussi comme bonne aussi, je crois. Moi, je trouve comme ça me fait penser de
l'énéagramme, parce que si je comprends bien, c'est par rapport à chaque motivation. Puis en fait, je crois que nos motivations, on a le nôtre. Par exemple, moi, je suis un 9, donc mon but, c'est le paix. Ils disent que en fait, il y a la motivation qui est saine et pas comme santé et pas santé. Je pense que c'est la même chose en même temps. Donc, les motivations vont être les mêmes, mais c'est tant que c'est sain, c'est comme, c'est pas un... La motivation, comment expliquer un peu? La motivation a besoin d'être sain. C'est comme la motivation telle qu'elle, c'est pas un... C'est si elle est bonne ou pas, mais c'est la santé de la motivation. Et je pense que l'affaire, c'est que au début, on pensait de la motivation en tant qu'énergie, mais en même temps, c'est la raison pourquoi on fait quelque chose. Donc, je pense qu'il y a comme une séparation entre les deux types de motivation. Donc, si on pense à la motivation en tant qu'énergie, ben ouais, c'est correct, c'est de l'énergie. Mais quand on commence à regarder plus à l'intérieur, je pense que c'est là où il y a la séparation entre santé et non-santé. Donc, comment qu'on fait pour identifier comme nos raisons, s'ils sont santé ou pas? Je pense que ça part du cœur, vraiment. Ça part du cœur, vraiment, parce que comme... Je pense que ça part du cœur parce que le cœur, c'est vraiment comme le centre de toute chose et tout. Tu vois, c'est comme ton moteur. Là, je parle beaucoup de gaz, essence, moteur. Ça fait beaucoup d'automobile, mais bon, c'est ça que j'ai en tête, vraiment. Fait que je pense que, comme tu vois, je pense vraiment que comme je disais tout à l'heure, ça passe du cœur. Si dans ton cœur, c'est vraiment, tu vois, une bonne motivation et tout, comme tu vois, tu as un but sain dans ton cœur et tout, ça va vraiment aussi, tu vois, comme tu vas pouvoir aussi... définir si c'est comme tu vois bon ou mauvais, est-ce que tu as en toi? Moi, je pense que c'est comme je pense de the golden rule, la règle d'or. Comme je peux comme mieux l'expliquer avec l'analogie d'un abeille, de ce que je comprends, c'est comme un abeille, il est en train de prendre des affaires d'une fleur, on pourrait dire, je sais pas exactement c'est quoi, le miel, en tout cas. Ou le pollen. Le pollen, exactement. Puis en fait, lorsqu'il fait des affaires avec le fleur, il peut aller partout, mais ce qui reste dans l'abeille, c'est, je crois, c'est ça le pollen ou les semences de la fleur. Après, ça tombe en conséquence pour avoir produire plus de fleurs. C'est comme, dans un sens, c'est comme un win-win. C'est un gang-gang situation. C'est comme, lui, il gagne et l'abeille gagne, puis la fleur gagne. Donc, c'est comme la question, c'est la motivation, c'est est-ce que c'est seulement pour mon propre désir ou est-ce que c'est aussi, ça va bénéficier l'autre? Puis c'est ça la distinction d'une motivation saine et malsaine, selon moi. Ouais, je pense, si je comprends bien, c'est dans le sens que quand tu es dans le processus d'aller vers un but, mais tes motivations vont être testées, tu vas être testé. C'est seulement en sortant du test que les vraies bonnes choses vont rester avec une fondation qui est solide et les choses qui sont juste pour toi avec un désir qui est malsain, qui n'est pas santé, ces choses-là, ils ne vont pas durer. Donc, c'est vraiment... C'est de cette manière-là qu'on peut savoir les choses qui viennent vraiment de Dieu, les choses qui sont juste de nos propres désirs. J'aime vraiment l'illustration que tu as apportée. Donc, si on retourne à l'idée de motivation en tant qu'énergie, comment qu'une personne qui perd sa motivation, comment que cette personne peut la retrouver? Bonne question. Jorian, comment? Tu peux aller avant moi, c'est ça, tu vois, si. J'essaie de penser un peu, là. Mais en fait, parce que la motivation, comme Oudil pourrait le démontrer, j'essaie de prendre le véhicule comme exemple encore, c'est le gaz, on pourrait dire, c'est ça ce que j'ai compris. C'est comme ce qui fait le feu. Mais est-ce qu'il faut être toujours en feu tout le long, là? C'est comme, sinon ça va être comme, le char va exploser. Je sais pas, honnêtement, je suis pas certain. Mais c'est, il faut, lorsqu'il y a le feu,
quoi ça sert? C'est afin de se conduire vers quelque chose d'autre. Donc, il faut avoir, afin d'avoir un véhicule pour aller dans une place, il faut avoir quoi? Un GPS, une direction, une destination. Donc, oui, il y a la motivation d'aller là-bas, mais c'est comment? C'est en utilisant se naviguer, aller à gauche, à droite. Donc, tout pour dire, il faut avoir un plan. Parce que autant que la motivation est importante, c'est comme ça nous motive, mais si on ne l'utilise pas pour le bien qu'on veut le mettre, c'est là où qu'il faut avoir comme la structure, tout pour dire. Je pense aussi, si tu penses à du gaz, comme il faut que tu puisses remplir ton véhicule de gaz. Donc, tu dois prendre le temps de vérifier avec Dieu, est-ce que je fais vraiment la bonne chose? Est-ce que c'est vraiment ton plan pour moi? Tu dois demander à Dieu de te donner du repos, de prendre le temps de savoir, OK, pour ce moment, je vais arrêter, reprendre mes forces, puis je vais recommencer à m'avancer. Mais oui, il faut avoir un plan. Il faut que Dieu fasse partie du processus. C'est impossible que tu puisses tout faire tout seul. Et avec Dieu, il va te montrer les personnes qui vont pouvoir embarquer avec toi, qui vont pouvoir te redonner l'énergie, qui vont pouvoir te donner le petit pouce que tu as besoin quand il te manque de force. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment important de demander à Dieu, de prendre du temps à sa présence et de lui demander les questions qu'on a sur notre cœur. Ouais, puis si je peux aussi dire aussi comme un autre corps, je pense aussi que ce qui est important aussi dans tout ça, c'est pas parce que comme ça porte toujours comme une équipe aussi, tu vois, comme un entourage autour de toi, comme qui va vraiment te supporter dans tout ça, t'encourager. Fait que si tu es tout seul dans ton but, dans ta quête de quelque chose, c'est facile de un peu tout seul de se décourager, de ne pas être motivé. Mais si tu as une équipe avec toi, comme si tu as un groupe avec toi, puis on voit comme aussi dans la Bible et tout, comme Dieu envoie jamais comme seul les gens. Il y aura toujours comme toi une équipe de deux minimum, comme deux ou plus. On peut voir aussi Paul et Silas, tu vois, comme Jésus, comme avec ses disciples. Fait que il y a aussi, je pense, tu vois, c'est pas juste une question de le faire tout seul, tu vois, quand tu le fais tout seul, mais aussi c'est de le faire aussi, tu vois, avec les bonnes personnes aussi, tu vois, des bonnes personnes qui t'entourent. Puis ça aussi, je pense, c'est très important aussi parce que quand les gens, ils peuvent venir te motiver, mais aussi, tu vois, ils peuvent venir aussi te décourager, tu vois, quand tu perds le courage, tu vois, quand tu perds le goût même de faire ces choses-là. Donc, je pense que c'est ça aussi. Ouais, non, tu fais vraiment un bon point. Et si j'avais une dernière question pour vous, ça serait juste pour les personnes qui ont déjà commencé à aller dans une direction, mais qui semblent qu'ils commencent à manquer d'énergie, qu'ils commencent à manquer de motivation pour pouvoir compléter la tâche. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour ces personnes? Moi, je dirais que la personne, tout ça, t'es pas tout seul dans tout ça. Je pense que encore une fois, la même chose encore, que t'es pas tout seul dans tout ça et tout. Tu as des gens dans ton église, tu as des gens dans ta jeunesse, tu as des gens dans tes amis aussi, tu vois, comme qui peuvent t'aider. Je pense que c'est une question, tu vois, de pas faire les choses seul. Parce que c'est facile et tout de commencer quelque chose tout seul. C'est facile de commencer seul, mais c'est difficile c'est vraiment difficile de vraiment finir les choses tout seul. Très difficile. Parce que tu vois, plus que tu avances, plus qu'il y aura des blocages, plus qu'il y aura des oppositions, plus qu'il y aura des gens qui vont venir contre toi. Et, fait que je dirais comme vraiment et tout, tu vois, de vraiment d'aller voir des gens qui peuvent t'aider, de poser des questions, de vraiment chercher à être plus que un. Oui, c'est sûr que tu vois, comme il y a moi, Dieu, mais il y a nous avec Dieu, il y a cet esprit, il y a Jésus, mais oui, c'est bon, mais il y a aussi, tu vois, comme toi. Ouais, c'est ça en gros, je veux dire. C'est vraiment bon, ça. C'est comme, en fait, ce que j'allais même proposer, c'est le but vraiment d'avoir des gens, c'est de... Mais il y a d'autres buts aussi. Mais
Le but, je trouve, pour trouver la motivation encore, c'est de se demander les questions. De se demander, premièrement, pourquoi je suis démotivé présentement? Pourquoi est-ce que, premièrement, j'étais motivé au début? Mais qu'est-ce qui... Il y a une chose qui, en particulier, qui a changé ta motivation, qui l'a démotivé, on pourrait dire. C'est la conscience de soi, de se réaliser qu'est-ce qui se passe en général. Et je trouve que... comment expliquer ça? Il y a des gens qui est là pour vous aider, comme Oudil le mentionne. Il y a même, si je me rappelle bien, il y a aussi l'IBQ qui offre le coaching. Je mets ça comme plugin parce que c'est quelque chose de vraiment valorisant. C'est comme, je viens d'avoir un, puis eux, ils sont là pour vous aider à penser parce que c'est bon de l'avoir tout dans vos têtes, mais ça aide beaucoup à le sortir de ta bouche, puis avoir personne qui t'aide à ces pensées-là. Puis, ouais, ça va être juste le fait de penser, ça va nous aider simplement à trouver c'est quoi la démotivation et afin qu'on puisse se remettre motivé à nouveau. Ouais, j'aime vraiment ce que tu as dit à propos du coaching. Moi aussi, j'ai pas un coach, mais j'ai quelqu'un avec qui je fais un cheminement, un mentor, et ça m'a vraiment aidé à juste à chercher l'aide que j'ai besoin dans les moments où je suis pas certain de c'est quoi la bonne chose à faire, mais de juste avoir une opinion, une autre perspective, une personne qui veut m'encourager, qui est là pour m'aider, mais qui est pas là pour me juger. Et je me rappelle souvent du fait que ce que Dieu il commence, il va le compléter. Et il ne va pas te laisser prendre quelque chose que tu n'es pas capable de finir. Donc, juste reste encouragé du fait que Dieu il est là pour toi aussi, puis qu'il va te donner les outils que tu as besoin pour arriver. Ouais, puis j'aimerais comme dire aussi, comme aussi, je pense aussi que, tu vois, ça va arriver que toi, des fois et tout, comme durant la course et tout, que durant le parcours, durant le chemin, que comme c'est normal qu'on perd un peu de courage et de motivation. Tu vois, on est fait comme en chair, tu vois, qu'on est fait en chair et tout. Tu vois, on est des hommes faits en trois parties, dans le fond, tu vois. Fait que c'est normal un peu, tu vois, que des fois, arriver à un moment, je suis comme, je suis découragé, j'ai pas envie, tu vois. C'est pas ça le plus grave, dans le fond. C'est pas être, tu vois, comme dire, c'est pas dire encore, je suis découragé, mais c'est quand vraiment qu'on s'arrête en chemin. C'est ça qui est le plus grave, tu vois. C'est quand tu dis, OK, voilà et tout. Moi, j'arrête tout ça parce que je suis, tu vois, comme toi. C'est comme, j'ai pas envie, je suis découragé. C'est ça le plus gros problème, c'est lorsque qu'on s'arrête et tout, qu'on arrête de faire et tout, tu vois, les choses que Dieu veut qu'on fasse. Tu vois, c'est ça le plus gros problème. Mais si, comme tu vois, si tu prends une pause, ça, c'est comme ça, ouais, tu vois, tu dois prendre une pause. Parce que, tu vois, je pense que ça arrive que des fois, toi, tant que chrétien, qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, tu peux prendre une pause, tu peux prendre du repos. Mais c'est vraiment important, tu vois, de ne jamais arrêter. Ne jamais, tu vois, comme tu vois, s'arrêter. Tu vois, comme. C'est ça. Ouais, c'est ça un peu. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que, comme, tu as ton véhicule, tu as ton plan, tu as ton GPS, puis tu avances, puis, tu sais, c'est juste de demander à Dieu, OK, donne-moi un peu d'essence de me laisser avancer, puis c'est d'être sage, de pas trop en utiliser, de pas essayer d'aller trop vite, de juste t'assurer que tu vas toujours dans le bon sens, et quand que tu vois, OK, j'ai besoin un peu de temps pour arrêter, tu te mets sur le côté de la route, tu prends ton temps de repos, puis après, tu te remets dedans, puis Dieu, il permet de continuer à avancer. Donc, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Je veux juste vous remercier de votre sagesse et de votre partage aujourd'hui. Merci à toi, Mike. Merci beaucoup, Michael. Ouais. Merci beaucoup 100%. Et passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée. Bye-bye.
Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand, dans le secret, je suis façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre, tu trouvais déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. Et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent? Ils ne peuvent prendre dégoût pour ceux qui te combattent. Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Ma tête
Mon rêve.
Eh bien, bonjour à tous les étudiants qui nous écoutent ce matin. C'est pour moi une joie, un privilège de m'adresser à vous en ce temps de chapelle. Et ce matin, j'aimerais porter votre attention sur un terme qui est celui de possibilité. La question est comment persévérer au travers des jalons d'un appel au ministère? Et Jésus nous a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Possibilité. Et déjà, pour moi, ça fait 34 ans que j'ai gradué du collège IBQ, et à l'époque, ça s'appelait Formation Timothée. C'est en fait l'ancêtre d'IBQ, déjà 34 ans. Et c'est en 1987 que j'ai gradué, et à ce moment-là, le programme est un programme de 4 ans, 120 crédits, 10 cours par année, si vous voulez, 5 cours session. Et c'était un grand défi pour moi. En fait, j'étais un des rares à avoir gradué. On était 3 qui avaient gradué, mais le seul qui avait fait le programme en 4 ans. Les 2 autres étudiants avaient échelonné le programme sur une période de près de 10 ans pour pouvoir le compléter. Donc, lorsque j'ai gradué, j'étais pas sûr. J'étais l'heureux élu ou celui sur qui la malédiction continue de s'acharner. Pourquoi je dis malédiction? Parce que vous savez qu'être au collège, c'est un défi. Beaucoup de questions qui se posent parfois, à savoir où est-ce qu'on s'en va avec une telle démarche personnelle, professionnelle, financière. Vous savez, pendant des années, on doit trouver des ressources financières pour pouvoir payer nos cours, être capable de survivre même, parce qu'on s'entend que c'est souvent de la survie lorsqu'on est des étudiants. Et sachez que je suis très compatissant avec qu'est-ce que vous vivez, parce que je l'ai vécu non seulement pendant 4 ans, mais pendant plus de 10 ans dans les années qui vont suivre. On va réadresser ce point dans les prochaines minutes. Mais j'aimerais vous encourager à penser possibilité. Et pour emphaser ce point, j'aimerais vous relater une histoire que j'avais lue en fait en 2008 lorsque j'étais à Fort Bliss au Texas, une base militaire où est-ce qu'on se préparait à ce moment-là pour aller en Afghanistan. Et je faisais ma dévotion le matin et voilà que je lis une histoire qui m'a beaucoup interpellé et qui continue encore à m'interpeller et j'aimerais vous en faire part. En fait, c'est l'histoire d'une dame du nom de Carol Kuykendall. Carol était une dame qui avait un ministère célèbre, un ministère efficace, dynamique, et qui se spécialisait sur la famille, donnait des conférences, publiait des livres, et elle avait un ministère de réputation internationale. Et voilà qu'elle voyageait, elle avait atteint un momentum qui était excitant pour elle. Et dans cet excitement, voilà qu'elle doit visiter le médecin. Et suite aux examens, le médecin lui dit, Carole, tu as un problème de santé sérieux, tu as le cancer et on doit te traiter le plus rapidement possible. Voilà que Carole a commencé ses traitements et elle racontait qu'elle avait dû cocher son calendrier des rendez-vous médicaux et non plus des entrevues, des conférences, des publications, de s'adresser devant des milliers de personnes. Et c'était pour elle un grand défi, un deuil. Pourquoi, Seigneur? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? Et elle avait des attentes du ministère, elle avait des attentes, qu'est-ce que Dieu voulait et pouvait faire à travers elle. Mais voilà qu'elle se retrouve clouée soit à un lit d'hôpital ou dans des sessions de traitement. Dans sa souffrance, dans sa difficulté, voilà que son pasteur a été la voir. Il lui a dit les paroles que je vais vous souligner ce matin. Sois ouvert aux possibilités. Sois ouvert aux possibilités. Les circonstances dans lesquelles où vous vous trouvez contiennent beaucoup plus que qu'est-ce que vous pouvez voir, penser et même imaginer. Et le Dieu dans lequel on croit, pour lui, rien n'est impossible. Ou si vous voulez, tout est possible. Le Dieu que l'on croit est le Dieu de toute possibilité. Et le défi, ce n'est pas Dieu. Le défi, c'est nous, qu'on n'est pas toujours en mesure
d'être ouvert aux possibilités, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Ouvert aux possibilités. Lorsque j'ai gradué en 1987, c'était un moment de transformation pour ma vie et j'ai dû apprendre à voir possibilités. J'avais une vision de qu'est-ce que Dieu voulait faire dans ma vie, j'avais une certaine vision, mais je dois reconnaître aujourd'hui, après 34 ans, que ma vision, elle était très limitée du potentiel que Dieu avait pour moi dans ma vie. Et possiblement la même chose pour vous. Je peux vous dire que la vision que vous avez de vous-même et votre vision du ministère est peut-être beaucoup plus limitée que qu'est-ce que Dieu voudrait faire dans votre vie. En 87, je n'étais pas un candidat vedette. Ça, c'est important de le mentionner, parce que souvent, on pense que les gens ont toujours ça très facile. Ça n'a pas été le cas pour moi. Je n'étais pas un candidat vedette à l'Assemblée où j'ai été, en ce sens que les pasteurs qui me côtoyaient ne voyaient pas nécessairement le plein potentiel en Normand Cholette à ce moment-là. J'ai eu même des gens qui m'ont dit « Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé au ministère, finalement. » J'ai entendu ce genre de paroles. En fait, à deux reprises, par des collègues. Elle ne voyait pas le potentiel en moi. Et de peine et de misère, j'ai trouvé une position comme assistant pasteur à Verdun. Et on m'offrait à ce moment-là 16 000 $, qui n'était vraiment pas un gros salaire pour pouvoir prendre soin de l'épouse et éventuellement des enfants, ou de bâtir une famille. Quelques mois après, on m'a tout simplement annoncé qu'on n'était plus en mesure même de me payer mon salaire. J'ai dû retourner à l'Assemblée du plein Évangile, l'Église de la Salle, pour offrir bénévolement mon temps pour une période de 1 an, afin d'obtenir mon ordination avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada. Sois ouvert aux possibilités. Les circonstances contiennent beaucoup plus que qu'est-ce que tu peux penser, voir et même imaginer. À ce moment-là, les gens ne pouvaient pas le voir, et même moi, j'avais de la difficulté à le voir. Sois ouvert aux possibilités. Vous pouvez voir sur cette photo, du moins à la photo qui était à votre droite, c'était moi et mon épouse. Déjà à ce moment-là, j'avais quoi, 26 ans. On a pu voir un petit groupe, une cellule qu'on avait à l'Assemblée du plein Évangile, d'où Stéphane Martin, à ce moment-là, qui était encore très jeune, était dans ma cellule. Et on avait aussi la photo que vous avez vue en bas, qui était lorsque j'étais au collège biblique durant ma 3e année. Sois ouvert aux possibilités. Et voilà qu'après 2 ans de ministère, j'avais toujours pas d'église qui pouvait pourvoir à un salaire pour faire vivre ma famille, qui était tout de même un grand défi. Dans un concours de circonstances, mon épouse a hérité d'un oncle et ça nous a permis d'acheter une maison, d'acheter une camionnette, payer comptant, et de commencer des conférences à travers la province du Québec à titre d'évangéliste conférencier. À l'époque, c'était 2 projecteurs Kodak, ceux qui se rappellent de la vieille technologie des années 80, qui étaient synchronisés avec une trame sonore, un écran de 12 par 10, mais sur un pied. C'était le cinéma IMAX, si vous voulez, dans les églises, lorsqu'on arrivait avec notre ensemble, notre kit, et de donner des conférences. On faisait ça dans des écoles, des cégeps, dans des assemblées. Et on a eu la chance de donner des centaines et des centaines de conférences et de voir des centaines de personnes donner leur vie à Christ et des vies transformées. Et c'était pour nous un moment très excitant. Mais j'avais toujours pas de salaire durant la semaine et c'était très difficile. Donc, j'ai été ouvert aux possibilités. La possibilité était la suivante, c'était de retourner dans le milieu de la technologie où j'avais fait un diplôme d'études professionnelles au secondaire. Et j'étais maintenant au collège CDI, Contrôle Data, et qui est maintenant le collège ou Institut Carrière et Développement. J'ai gradué, j'ai trouvé un emploi pour une compagnie qui s'appelle Bell Atlantique. Et la compagnie Bell Atlantique ont eu un compte qui s'appelait un des clients, qui était UAP Napa. Et on m'a promu, on m'a donné la charge, la responsabilité d'être gestionnaire du compte pour toutes les réparations informatiques de UAP Napa pour le Canada. On parle en fait en 1995 à ce moment-là. Et je demeurais à Roxborough et je devais voyager de l'ouest de Montréal jusqu'à l'est de Montréal.
Et lorsque j'arrivais dans les bureaux du OP Napa, c'était sur la rue Egg Street. Et une bonne journée, mes collègues à UAP Napa étaient en pause et regardaient à travers la fenêtre, l'autre côté de la rue. Vraiment une petite rue et on voit l'autre côté, c'est la base militaire de Longue-Pointe. Et les gens se croisent les bras et d'autres avec leur café commencent à plaisanter et regardent, ils disent « Ah, l'armée, jamais je serai là-dedans ». Et les gens commencent à dire « Ah, l'armée sox, ah, l'armée, jamais je serai là-dedans ». Et voilà que moi, je prends une pause et je me joins à eux, je les regarde. Tu sais, qu'est-ce que vous regardez? On regarde l'autre côté, la base militaire, jamais je serai dans l'armée. L'armée sox. Puis moi, je regarde ça. Vous avez bien raison. Jamais je serai dans l'armée. L'armée, sox. Pas pour moi. Sois ouvert aux possibilités. À ce moment-là, je ne pouvais pas voir aucune possibilité. Et encore beaucoup moins dans l'armée. Ça aurait été la dernière chose que j'aurais même pensé que Dieu pourrait faire quelque chose dans ma vie dans les forces armées canadiennes. Voilà qu'après quelques mois, j'ai remis ma démission en informatique pour retourner dans le pastorat et une église s'est ouverte à moi qui était à Sainte-Marie-de-Beauce. Le pasteur de Sainte-Marie-de-Beauce, où j'ai eu du bon temps avec les Beaucerons. C'est une très bonne expérience. Et encore, je cherchais qu'est-ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Et il y a eu une opportunité qui s'est offerte à nous. C'était à Vancouver, pasteur d'une assemblée francophone. Sois ouvert aux possibilités. Mon épouse, moi, mes trois enfants, avons quitté le Québec pour demeurer à Vancouver. Dieu peut faire pousser des choses dans des endroits très difficiles. En 1997, on a quitté pour Vancouver et c'était à la fois des moments mémorables, excitants, mais des grands défis, très, très grands défis. On s'entend, la ville de Vancouver est une ville qui coûte beaucoup pour pouvoir y demeurer. Et le salaire pastoral était définitivement pas suffisant. J'ai dû trouver 2 et 3 emplois pour être capable de pallier financièrement. Mais dans ces défis, je dirais, j'ai eu aussi le privilège de compléter ma maîtrise en études bibliques avec l'université Trinity Western University, qui était tout de même un bon accomplissement et un privilège. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette période de 4 ans, financièrement, tout était rendu sans dessus-dessous. On était dans une situation excessivement précaire financièrement, ma famille et moi, une famille de 5. Le ministère était tout de même une petite assemblée, c'était ardu. Et voilà qu'un de nos collègues, Pierre Bergeron, plusieurs d'entre vous le connaissaient assez bien, était aumônier des Forces armées canadiennes. Il est venu me voir, me rencontrer. Il me dit « Hey Normand, il dit, les Forces armées canadiennes, est-ce que ça t'intéresserait de devenir aumônier? » Pas sûr. Pas vraiment, moi. Je n'étais pas vraiment une personne militaire dans mon tempérament ou dans ma vision des choses. Mais voilà que dans l'état de finances où ce que je me retrouvais à ce moment-là, j'avais vraiment plus rien à perdre. Et j'ai dit à Pierre, j'ai dit « Écoute Pierre, j'ai dit, sais-tu, je vais accepter l'offre de devenir aumônier des Forces armées canadiennes. » Et finalement, et c'est en 2001 plus particulièrement, j'ai joint les Forces armées canadiennes. Et mon cours de formation a eu lieu le 11 septembre 2001. Ceux qui ont une bonne mémoire de ce que ça veut dire. Et j'étais à ce moment-là dans mon cours de formation de base, le cours d'officier. Et le commandant nous a rentré dans la classe pour nous annoncer qu'on était maintenant en état de guerre, que le Pentagone avait été attaqué et que le World Trade Center avait été aussi attaqué par 2 avions et qu'on était en état de guerre. Je peux vous dire que c'était un moment de choc pour moi et pour tous les étudiants et le monde entier. Et là, je me disais, qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'est-ce qui peut vraiment sortir de ça? Mais je sentais une paix. Je sentais que Dieu nous appelait à un ministère. Et c'est un moment qui est très unique dans notre histoire, de notre civilisation, et de se retrouver
dans le feu de l'action, littéralement, comme nouvellement recruté dans les Forces armées canadiennes comme aumônier. Mais pour moi, c'était une opportunité que Dieu mettait pour faire un travail, un ministère auprès des militaires, de leur famille. Sois ouvert aux possibilités. Dieu peut faire pousser de très belles choses dans des endroits très arides, très difficiles. Est-ce que votre vie est là présentement? Êtes-vous dans un endroit très aride? Est-ce que vous vous sentez coincé, sans issue? Comment que je vais payer mes études? Est-ce qu'il y a vraiment un ministère lorsque je vais avoir gradué? Toutes ces questions que je me suis posées souvent. Et voilà que je joins les Forces armées canadiennes et ça va être un volte-face, littéralement, pour ma vie personnelle, professionnelle, spirituelle, à titre de pasteur. C'est une transformation exceptionnelle. Sois ouvert aux possibilités de découvrir de nouveaux espoirs. Le défi pour beaucoup d'entre nous, on pense, surtout dans notre culture religieuse évangélique, on parle souvent, il faut trouver le plan de Dieu. Mais vous savez, dans le milieu militaire, les commandants, les généraux n'ont pas un plan, mais des plans. Et je me dis, si un général est capable de planifier 2, 3 et 4 coups d'avance, je me dis, à combien pour forte raison Dieu est capable de planifier bien des coups d'avance sur qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. En d'autres mots, Dieu n'a pas un plan pour votre vie, mais des plans. Et c'est ça qui est merveilleux. Si vous échouez un plan, Dieu est encore là pour un autre plan. Il faut être en mesure de découvrir des nouveaux espoirs. Et je dirais que c'est un des grands défis pour beaucoup de nos pasteurs, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'étudiants, où est-ce qu'on a la difficulté à se renouveler et se retransformer et de rentrer à un autre chapitre de notre ministère. Parce que vous voyez des choses présentement, vous êtes convaincus que c'est la façon que ça se passe. Qu'on doit faire. Et moi, je peux vous garantir, dans 10 ans d'ici, vous allez voir les modes musicales évangéliques dans lesquels vous êtes, les façons de faire vont changer. Moi, je l'ai vu et vous allez le voir aussi. Et d'être capable de rentrer dans une nouvelle phase de notre vie. Pour moi, les Forces armées canadiennes ont été un nouveau chapitre, un nouveau commencement. Ça m'a permis de devenir en forme physiquement. Ça m'a permis de me discipliner encore davantage. J'ai eu l'opportunité au cours de ma vie de graduer de 5 écoles et c'était encore des choses que quand j'ai commencé en 87, lorsque je graduais, je pensais que c'était terminé, mais ma vie ne faisait que commencer. Et Dieu fait tellement, tellement de grandes choses dans ma vie. Ce que Dieu a pu faire dans ma vie au cours de ma carrière des Forces armées canadiennes au-dessus de 20 ans, c'est, je considère pour moi, j'ai une carrière exceptionnelle. Autant que je n'aurais jamais pensé qu'est-ce que Dieu pourrait faire tant de choses dans ma vie. En fait, j'ai été 2 fois en Afghanistan en 2004 et en 2009. Pour plus d'un an, j'ai servi comme aumônier auprès de nos troupes en Afghanistan et même dans des régions de combat à soit 900 mètres des talibans dans des conflits armés pour supporter les troupes. J'ai eu l'opportunité de servir au bureau de l'aumônier général, au quartier général à Ottawa, pour une période de 3 ans, être le directeur du recrutement pour tout le Canada. J'ai aussi eu le privilège de travailler au sein des forces spéciales, qui est un univers particulier et qui est en fait l'élite des forces armées canadiennes. Les membres des forces spéciales sont l'élite. Et j'ai eu le privilège de travailler avec ces gens de près, les supporter, les conseiller, les réconforter spirituellement, d'apporter, d'inspirer. C'est des expériences incroyables et uniques. Il y a quelques années, en fait, en 2015, de 2015-2018, j'étais l'aumônier principal pour la formation Europe. En fait, j'étais
le moyen principal pour toute l'Europe. Mon travail consistait à voyager à travers l'Europe et supporter les familles des Forces armées canadiennes. En fait, j'étais au quartier général de Shape, qu'on appelle, qui est à Mons, en Belgique, et aussi, je visitais régulièrement le quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Vous entendez parfois des prédicateurs sur la fin des temps et qui vous parlent de l'OTAN. Moi, je marchais dans ce quartier général-là, rencontrais des gens, et je voyais tout l'aspect humain de ces gens, le besoin de ces gens, le besoin de spiritualité et d'être réconforté. Et souvent, dans nos discours, on détache, on déshumanise tout ce qui est derrière ces grandes institutions. J'ai fait plus de 140 voyages à travers l'Europe pour les Forces armées canadiennes. J'étais vraiment, vraiment privilégié. En fait, 287 jours juste pour les Forces armées canadiennes à voyager en Europe et supporter nos troupes. Tellement, tellement privilégié. Aujourd'hui, je me considère tellement, tellement privilégié du ministère que j'ai eu et que Dieu m'a permis de vivre. Sois ouvert aux possibilités. Plus de 32 pays visités. L'Égypte, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, l'Ukraine, la Pologne, la République tchèque. J'ai passé des mois en Allemagne, des mois en France, des mois en Angleterre, en Italie, en Espagne. En Turquie. Privilège incroyable, incroyable. Et maintenant, je suis l'aumônier principal de la 2e division du Canada à Montréal. Et j'ai une équipe de plus de 50 aumôniers, qui est une somme très coûteuse pour le gouvernement fédéral, d'investir dans nos équipes pour prendre soin de nos membres des Forces armées canadiennes et leurs familles. Responsable d'une équipe de plus de 50 personnes. Incroyable ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et savez-vous où est-ce que je travaille maintenant? En fait, l'autre côté de la rue, où ce que j'étais en 1995, et je regardais l'autre côté de la rue à ce moment-là, quand j'étais à UAP Napa, je disais, l'armée, jamais je serai là-dedans. Mais maintenant, quand je prends mon véhicule pour me rendre au quartier général, je passe sur la rue Haye et je vois UAP Napa qui est à ma droite et je vois l'autre côté à gauche qui est la base militaire de Longue-Pointe et le quartier général. Et maintenant, je travaille l'autre côté. Concours de circonstances, l'humour de Dieu, sois ouvert aux possibilités. Et c'est encore moi, et oui. Et j'aimerais vous présenter le segment pratico-pratique. J'ai une application, un site web que j'aimerais partager avec vous qui m'a beaucoup aidé dans ma foi, surtout ces derniers temps. Le site web s'appelle Messenger Course.
Ça, c'est une plateforme de formation avec, je viens de le dire, différentes formations bibliques, mais c'est pas des études bibliques. C'est pas des prédications, c'est vraiment une formation sur différents thèmes. Par exemple, la justice de Dieu, sur la sainteté, sur la joie, sur les forteresses dans nos vies, sur les différentes dépendances, sur comment briser l'intimidation. Plein de formations intéressantes, interactives même, je dirais, et très, très, très fondées sur la Bible. Ça s'appelle Messenger Course et il y a même une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone. Et cette application-là, on peut télécharger les formations pour les écouter hors ligne. C'est vraiment divin, je dirais. C'est vraiment bien fait. Il y a des vidéos qui expliquent les principes bibliques par rapport à ces thèmes-là. Et à la fin, il y a même un guide de cours où il y a des questions, des versets de réflexion, des passages bibliques à relire par rapport à ça afin d'approfondir ce sujet-là. Et comment ça marche? Vous vous posez peut-être la question, ok, c'est probablement pas gratuit. Eh bien, non, c'est pas gratuit, mais est-ce que c'est cher? Non plus, c'est ça qui est le fun. Dans le fond, leur principe, c'est si tu donnes un certain montant, un certain don par mois, eh bien, tu as accès à toutes les formations. Le site web et l'application, pouf, explose, ouvre, et tu as accès à tout en faisant un don par mois. Maintenant, quel don? Ben, c'est toi qui choisis, c'est ça qui est le fun. Tu peux donner 15$, 20$, comme tu peux donner 100$ par mois. Et ça, ça donne accès à toutes les formations qui peuvent vraiment t'aider dans ta formation, qui peuvent vraiment, tu peux vraiment bénéficier de tout ça. C'est par rapport à la foi, par rapport à comment grandir en tant que chrétien, comment grandir de nos jours. Et le pasteur des États-Unis qui a fondé ce site web-là et cette application-là s'appelle John Bevere. Je ne sais pas trop comment le prononcer, mais c'est vraiment un homme de Dieu, un homme de foi. Je vous invite à vous inscrire, à aller voir cette application-là et ce site web. Je vous encourage à faire ça. C'est une ressource qui est vraiment bonne, qui est vraiment intéressante. On peut y trouver des trésors divins. Puis personnellement, Dieu a utilisé ce site web-là, d'utiliser ces formations-là afin de me former. Puis je veux encore en prendre, puis je veux encore le partager autour de moi. C'est donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Inscrivez-vous Messenger Course, ça c'est le site web. Sinon, l'application s'appelle Messenger X. Donc, nous sommes des messagers de Dieu. C'est un peu leur message, leur bannière. Donc, merci! Attends. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et je prie que Dieu vous bénisse abondamment pour le reste de votre semaine. Je vous encourage à garder la foi, garder la joie, continuer votre marche avec Dieu. Et j'aimerais finir avec ce verset dans Romains 8, verset 28. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, aimez Dieu de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme, de tout votre être. Alors, aimez Dieu et je vous souhaite de passer une belle semaine. On se revoit dans 2 semaines. Ciao!